Salut à toutes et à tous, c'est Epsilon. Je suis en compagnie de Yota. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Halo 2. Troisième épisode. Bah oui. On reprend là où on s'était laissé. Absolument. Et où est-ce qu'on s'était laissé d'ailleurs? Je te pose une question là. C'est à moi que tu poses la question, je sais pas, c'était pas évident. on s'était laissé au fait qu'il y avait un putain de tank, qu'on allait baiser tous ces fils de pute qui allaient se mettre entre nous et le prophète du regret. Que de violence. C'était Johnson qui avait dit. Alors, il a pas dit exactement ce mot-là. Il a pas dit fils de pute, il a pas dit baiser. Il a dit connard. Bon, bah, je sais pas, on va voir ce qu'il a dit exactement, il va nous répéter. Mais bon. Ou ses enfants de salaud, peut-être. Ah, enfants de salaud, mais c'est mignon comme expression aussi. Ouais. Je trouve que c'est presque poétique. Presque. Il nous a explosé. Du calibre 50, rien pu faire. Est-ce que t'es faible? Où est le reste de ta section? Morte, sergent. Et on va les rejoindre, monsieur, si on traîne encore dans le coin. Tu es touché? Non, sergent. Alors écoute, le major va grimper dans ce char, passer ce pont et buter tous ces enfants de salauds qui voudront se mettre entre lui et ce foutu prophète du regret. Alors bouge même ton pas cul, dit putain. Parce qu'on va le suivre. Et le scarab? On a fait quelques simulations. Ils sont solides, mais on peut les avoir. Ne lâche pas le major, il saura quoi faire. À vos ordres, sergent. Merci pour le tank. Lui ne m'offre jamais rien. Mais je sais parler aux dames, moi. Enfin, aux dames, c'est une IA, gros con. LOL. Bon, je prends le Warthog, tu prends le tank, t'évites de m'allumer la tronche. Soyez tranquille. Allez, à plus. BOUM. C'est ça. On est parti, allez. Donc là, mitraillé. Et là, pas d'appui. Ah, bouge-toi le fou. Tirez. Oh, joli. C'est bien les enfants. Il y a une apparition aussi. Oui. Il y avait une apparition. Sa gueule. Ouais, il pouvait en être autrement. Bon, je me fais les gros, tu te fais les petits. Écoute, pourquoi je suis en train de du coup. Ah, toi, stop. Je voulais qu'il me rejoigne. Toi. Arrête de bouger, je te bute. Hop. Ah. Non mais attends là, il y a un problème. Je commence... Ah non, c'est l'apparition. Attends. Stop. Ah bon, ah non, mais assez rapidement. C'est marrant, je pense. Est-ce qu'il est mort du coup, Warthog? Ou alors est-ce que c'est ces salauds qui m'ont pas écrasé? Sur la gauche. On va voir si c'est ça. Ah oui, d'accord. Santosma. Je peux te voir, tu peux voir. Ah merde. Mauvaise manie. C'était pas celle-là. Attends, j'ai dit. Ah d'accord, tu peux. Là, je suis content. Bon, il va tirer, je vais mourir, mais...
parce que moi je vois plus rien du tout. Du coup. Et par contre. Essayer les sniper avec la... Avec le temps. Ouais. Ok. Je vais regarder du côté. Joli comité d'accueil. Là. Ça devrait arriver. Là. Tu les vois ou pas? Là, sur là. Les machins qui volent là-bas, tu les vois ou pas? Non, je vois pas. Il y a des petits points qui volent. Ah oui, c'est bon. À gauche et à droite aussi, t'en as. Allez. Ah, je me disais aussi. J'en prends une. What? Olé, voilà. Première. J'ai présent. Non, mais. Mais proposez-moi l'option de Tarjac. Échouer devant moi, tu sais. Merde, excuse-moi, mais il est pas mort.
marteau. Cette blague. Il était déjà endommagé quand je l'ai tiré dessus. Il faut 3 obus pour tuer des banshees. Écoute, là, c'était le banshee de l'extrême, tu sais. C'est ça. Déjà quitté les véhicules. Ouais. Avant, avec le temps que j'arrive à passer. Ouh, un sniper. Merde, j'ai plus de balles, j'ai oublié ça. Ce petit détail qui fait toute la différence. Tu le connais, hein. Ouh, putain. Et franchement, ça fait super longtemps qu'on est pas mort. Et merde, bon, bah voilà, il suffit que je dise ça. Comment je te les ai tous défoncés? Stop! Occupez-vous du poste de tir, chef! Il est trop flippé! Mais il s'est pas arrêté direct, quoi. Ah c'est bon, ça marche. Tiens, non. Bon bah voilà. Il y a un sniper derrière toi si tu veux. Il y a une apparition. Ah. Merde quoi, j'étais trop bien avec le tank. Avec le... Le marteau. Avec la tourelle Goss. Oh. Ah. Tina. Voilà, rajouter, c'est-à-dire par terre. Tu la fais pas péter? Mais non. Ah, je suis mort. Limite, s'il reste un gosse, je suis pas bon. Ah, ça va.
oublié l'apparition. Oh oui, oh oui. C'est bordel. Non, c'est... Détruis mon gosse. Stop, arrête-toi. Arrête-toi. Rappuie sur le bouton de plainte. Moi. Tu peux. Quand tu vois qu'elle commence à se fermer. C'est que. Tu l'as pas vu, je suppose. Mais... Ah, tu peux passer avec une apparition. Oh, putain, oui, c'est. Putain, j'arrive pas à les avoir. Et... Ah, parce que ton gosse t'a été détruit. Ouais, allez, go, hein. Cette blagounette. Chef, il y a des marines coincés dans ce bâtiment. Oh mais non, il a rechargé ce con à la place. Non mais la détruisez pas, je la go. Ah lui il est déçu lui. Mais rentre chez ta mère. Ta mère. Putain, mais c'est pas possible! On recule pas. D'accord. Qui commande, caporal? Bon, je. Je crois que c'est salaud. L'apparition. Ouais. Toi aussi, t'as un problème? Hein? T'as un souci? Le terminal, il faut. Eh, t'as rien compris, mon pauvre, hein. Mais tu vois, je t'ai débloqué encore un succès. Mais j'en ai rien à foutre des succès, j'aurais pu le faire tout à l'heure sinon. Avec tes conneries là. J'espère qu'il faut pas recommencer. Mais non, là, enfin, il fallait pas recommencer. T'as vu, il y a un terminal ici. Ta gueule. Moi, je pensais qu'il fallait l'activer. Arrête de penser. C'est pas bon pour toi et pour moi non plus, c'est pas bon. Quand j'ai demandé des renforts, je pensais pas qu'ils auraient un Spartan. Un défonçage de juste de ça. Ça sent mauvais. Oui, elle. Là, regarde. Rien à battre en fait. Oh! Hein! Oh, mon ta gueule! Je vais réussir la mission avant d'arriver jusqu'à la fin. Non, ils m'ont buté par derrière. Attention,
Je saurais me faire buter. Ouais, je sais pas. Dans la honte et le déshonneur. Êtes-vous fier? Oh oui alors. J'ai essayé le rush. Le rush explosion du scarab. Ok. 3 secondes pour vous. Dès que je rentre sur le truc. Et retourner à l'île Numberclad. C'est pas souvent, en fait, alors. Monsieur, le prophète se bat. Demande permission d'attaquer. Négatif, commandant. Deux intercepteurs l'attendent hors atmosphère. Rupture spatio-temporelle repérée devant la cible. Il va sauter en pleine ville. Ne perdons pas de temps. Autorisation accordée. Attaquez. Avant, sur eux, vite. Mais commandant, sans destination? Ne me perdez pas ce vaisseau. Sinon je m'énerve. Je vais dire à mon babounet. Ah non, il est mort. Ah, dans le bois du cul, tu te passes. À toi, tu m'enverras. Je pense qu'elle va juste être désintégrée en fait avec l'explosion. Ouais. Ah ouais. Bon bah dis donc, quelle efficacité mon cher Yota. Bah ouais. Quelle efficacité, 22 minutes de moyenne mon ami. Sublime. Le score battu. Et oui. L'OTAN peut-être pas. Je sais pas. Oh, et puis une mission bien sympa là mine de rien. Beaucoup de véhicules mais, ouais. Mais c'était franchement sympa. C'est pas mal les missions dans Halo avec les véhicules. Ouais franchement ça passe bien. Bon. Petite cinématique. Oh, rapport. Bref, le traîner encore longtemps. N'importe quelle cellule fera l'affaire. On devrait le leur donner en pâture. Alors, j'ai tellement rien compris à ce qu'ils ont dit que j'ai entendu portugais dans la phrase. Pas à nous. J'entends des spatules. Sa chair est brûlée juste comme je l'aime. Taisez-vous. J'ai l'impression d'entendre des grognards. On ne le met pas en prison. Les hiérarques lui réservent une surprise. C'est pas mal finalement de laisser la vidéo en fait. Parce que ça fait teaser de fin de vidéo. C'est ça, et, c'est le teaser, rappel, ça fait rappel, voilà, exactement. Allez, comme on est gentil, on vous les laissera. Et de la pitié. Voici l'incapable. Tu peux disposer, Tartarus. Mais je pensais... Emmène tes brutes avec toi. Relâchez le prisonnier. Lève-toi, jeune. Le conseil a décidé de te pendre par les entrailles et d'exposer ta dépouille. Okay. Mais c'est à moi que revient l'honneur de Mais décider... Mais c'est génial tout ça. Quel monde je de barbares. Et effectivement... Sais-tu où nous sommes? Le mausolée de l'arbiteur. C'est cela. C'est ici que repose l'avant-garde du grand voyage. Chaque arbiteur, du premier au dernier, chacun né et consumé lors de crises extrêmes. La soumission des chasseurs, la révolte des grognards, sans les arbiteurs, l'Alliance aurait déjà volé en éclats! Même en rampant, je ne suis pas digne d'être ici. La destruction de Halo était une faute et
tu en es responsable. Mais le conseil a fait du zèle. Nous savons que tu n'es pas un hérétique. Voici le véritable visage de l'hérétique. Celui qui incite à la rébellion contre le grand conseil. Nos prophètes mentent. Ouvrez les yeux, mes frères. Ils se servent de la foi des anciens pour nous mener au chaos. Le grand voyage est une trompe. Cet hérétique et ses disciples doivent être réduits au silence. Ces mensonges offensent tous ceux qui suivent la voie. Que puis-je faire? Je ne peux plus commander de vaisseaux, ni de soldats. Ainsi, non. Mais en devenant l'arbiteur, et tu auras notre bénédiction pour réduire cette hérésie à néant. Et pour le conseil? Il y a peu de chances que tu survives aux missions que nous te confierons. Tu mourras comme tous les autres arbiteurs avant toi. Et le conseil aura ton corps. J'ai mal au cœur. Donc autant on sait pas, autant il est dans le pied droit sur le cœur. Ouais, c'est pas fou. Qu'attendez-vous de l'arbiteur exactement? Comment tu t'y crois trop? En rejoignant l'Alliance, nous avons prêté serment. Conformément à notre rang, tous sans exception. Sur le sang de nos pères, sur le sang de nos fils, nous avons juré de soutenir l'Alliance. Même si nous devons mourir. Ceux qui renient ce serment sont des hérétiques. Ils ne méritent ni pitié, ni clémence. Ils utilisent les créations de nos seigneurs pour diffuser leurs mensonges. Nous en ferons de la poussière. Et nous continuerons notre marche vers le salut. Ah, il te manque une partie de visage. Non, vous ferez pas ça. Cette armure est parfaite, mais on voit encore cette marque. Rien ne peut l'effacer. Vous êtes l'arbiteur, le bras armé des prophètes. Et ce sont mes élites. Leur vie n'importe pas la vôtre. Nous sommes d'accord. Chef, pas de doute. La tempête frappera les installations. Nous serons partis avant qu'elle soit sur nous. Et voilà, fin de l'épisode. Hop là! Et on va avoir une épée. Ouais, ça fait plaisir ça. Ouais. Bon, écoutez les gens, on va se dire à la chouprenne, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Voilà, je pense que je vais garder ça, au moins pour Halo. Absolument. Bon, et eh ben écoutez, la prochaine fois on se fait une petite mission avec l'arbiteur et puis absolument. Voilà. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao tout le monde. Ciao.